fait. Bah, tu voulais monter les deux sectes l'une contre l'autre, Ah, mais j'avais eu cette idée, ouais, mais je vois pas après comment. Ouais, je vois pas trop. Est-ce qu'on va avoir le temps aussi? Ah ouais, mais on a pas beaucoup de temps. Le truc, c'est que si on essaye de libérer les enfants, faut prendre d'assaut la secte, hein, faut pas non plus. Ben déjà, c'est force. Enfin, la seule qui s'intéresse au fait, c'est Nisra déjà, donc on sait. On donne le fez rouge et puis le livre des murmures du fez aux enfants de la chair. On dit à Nisra, bah va le chercher. Et elle bute le petit démir. Ah oui, là c'est clair qu'on le sauvera pas. Après, oui. Vous n'êtes pas obligé de le sauver, hein. Non, on n'est pas obligé. Mais bon, par rapport au professeur Demir, je doute qu'il ait l'esprit à nous aider après, quoi. Mais bon. On va sacrifier, je pense, le gamin, si on veut détruire le fez. Ou le rendre inutilisable. C'est au choix. C'est intéressant. Comment tu veux le rendre inutilisable? En supprimant les formules, parce qu'elle sait pas comment utiliser le fez. J'ai pas compris. Hein. En supprimant les formules magiques. Du livre. Oui. Et donc. Et on suppose que Nisram ne les connaît pas. Ah oui, c'est vrai que sinon, pourquoi est-ce qu'elle voudrait autant ramené, ce livre. Il a fait le voyage avec vous. Hein. Mm-hmm. Vous vous souvenez d'où il vient ce livre? Donc, si c'était même CAF, il a. Bah, c'est même CAF qu'il avait. Dans la librairie là, du collectionneur. Ah oui, c'est vrai, il était même à Londres, il a été volé à Londres. C'est ça. C'était chez qui, à Londres? Je remonte les pages. Collectionneur, je crois. C'est ça, collectionneur de fraises. Bah, c'est pas devant chez lui, d'ailleurs, que vous avez foutu le bordel. Si, c'est ça. Si. On est inspiré. Après, on peut donner le bouquin au frère de la chair et puis le fez au. Ouais, mais là on n'a pas le temps de voir les deux, à mon avis. Non. Surtout s'il faut que. Dès quelle heure là ? 16h. Ouais. Parce que le truc, c'est que si on va. Déjà, il faut le temps d'aller sur l'île parce que je suppose que c'est. Oui. Mais on fait quoi sur l'île hein ? Mais on doit. Le truc, c'est d'aller sur l'île avant l'heure du rendez-vous, donc faudrait pratiquement y aller maintenant. Et on essaye de faire une mission d'extraction, quoi, si j'ai bien compris. Faut sauver le gosse. Ouais, j'hygiène. Ça va être chaud. Hein. Non, mais ouais. Amélie, elle est en mode j'hygiène. Allez. Bah ouais. C'est pas faisable. Faut filouter, c'est pas faisable. Hein. 20 contre 4. Sinon, ils ont le problème, c'est que si on attend le rendez-vous. Ils auront un eunuque noir. Ah, il paraît. Si on attend le rendez-vous, on est quasiment obligé de le laisser, le fez et le murmure. Mais si nous, on se pointe au rendez-vous, le problème, c'est rien qu'en nous voyant, ils peuvent tuer le gamin rien que parce qu'ils nous ont vus aussi. Donc, c'est pour ça que si on se pointe avec les frères de la chair, au moins, on sera plus nombreux. Après, je sais pas comment on se débrouillera, mais. Bah, mais comment tu veux qu'ils. Enfin. Il faut réussir à les convaincre et tout faut ça. Qu'ils soient intéressés, il faut qu'ils aient quelque chose d'intéressant à. Et Nisra, quoi. Ou alors, on leur donne le fez. Et on dit que c'est Nisra qui a le mode d'emploi. Même si c'est nous qui l'avons. Peu importe. Et qu'on demande en échange juste le. Qui nous aide à libérer le gosse. Ouais. C'est risqué, à voir. Enfin, c'est risqué, ouais. Après, c'est risqué parce que on récupérera peut-être le gamin, mais il faudra qu'on re-récupère après le fait, c'est du parchemin. Mais eux, comme ils y connaissent rien, en fait, je pense que même si on leur donnait le. Enfin, si après on leur donne le parchemin sans les formules, je suis pas sûre qu'ils s'en aperçoivent de suite. Alors que Nisra, je pense qu'elle a une bonne idée de ce qu'il y a dans les parchemins. Faut-il encore qu'ils soient intéressés par le fesco au final? Eh bien, c'est ça, par contre, je suis pas sûre. Peut-être qu'ils veulent écorcher un eunuque. Non, c'est pas dans leur. Après, ils ont tous l'air de connaître quand même la légende du fez, donc bon. Oui, c'est sûr. Il n'y a pas beaucoup de certitude dans tous ces plans. Non, c'est un peu hasardeux quand même. Ouais. Bah sinon, pas de mission d'extraction alors, dommage. Et si on y. Ouais.
Ouais, non, mais ça change rien, même si c'est une île. Le problème, c'est que s'il y a le gamin qui est avec 20 gardes, effectivement, ça fait un peu beaucoup quand même. Ouais. De force, ça risque d'être compliqué. Seul, de force, ça risque d'être compliqué. Ou alors, on va sur l'île, on n'accoste pas, ils vont bien sortir. Le gamin, je suppose qu'il est sur l'île avec Nisra. On attend, ils vont bien devoir l'emmener ouais. pour le rendez-vous, pas vrai? Et au moment du transfert, je suis désolée, c'est un milliard, hein, je suis désolée, hein, mais faut de l'action. Et au moment du transfert, on suppose qu'il n'y aura pas 20 gardes autour du gamin, ça sera plus facile plus... peut-être de le récupérer à ce moment-là, mais ça reste risqué de toute façon. Venir. Il a dit qu'il avait que deux chances de le récupérer. Voilà. Il a dit qu'il avait que deux chances de le récupérer. Ouais, mais moi j'avais cru comprendre qu'il voulait qu'on aille directement enfin, sur l'île, quoi. Enfin, sur l'île là où était Nice. Moi je propose le guet-apens du bateau juste avant qu'il aille au rendez-vous. Il faudrait qu'on trouve un autre bateau, mais j'espère que le professeur Demir a des contacts qui vont. Ou peut-être Cassim. Parce que oui, je pense que le professeur Demir a de quoi nous aider pour. C'est ça, lui Demir, ce qu'il disait, c'est soit on trouve le culte avant et on va en mission dessus, ou soit par surprise pendant l'échange. Ouais. On arrive bien au même conclusion, c'est bien. Après 2 heures. Ouais, mais pratiquement, tu vois, c'est qu'on a besoin d'avoir une vision pratique là, du coup, c'est plus juste. De votre rencontre avec le. Le français, vous gardez une étrange sensation, un étrange mal-être. Ah bon ? Là, on arrive. Il vous a quand même parlé de choses totalement ahurissantes, quoi. Bah, des dieux et tout ça. Enfin, des... Oh oui, il disait que la reine n'était pas la plus puissante. Ouais, c'est et puis fumer ce type, on peut pas croire à les toxicos. Enfin, délire est complet. Mais c'est un français aussi, c'est vrai. Voilà. Je propose qu'on retourne voir le professeur Demir pour lui parler de ce qu'on a appris et voir un peu si. Ouais, il a tiré des formules là. Aussi, oui. Donc, ben, le temps que vous rentriez et tout. Marche. Il est pas loin de 18-19 heures. Vous avez passé plus de temps avec le français que ça vous a paru en fait. Vous pensiez y était resté une heure et puis non, finalement ça a duré plus longtemps que ça. Il était très intéressant. Il était très intéressant. Je me suis amusé à le jouer. donc vous retrouvez Demir qui dans sa villa avec sa femme, ses deux enfants. Et... Alors on va chercher mon frère. C'est ça. Hein, moi j'ai déjà été acheter des armes on va prendre aussi des explosifs dès demain matin. Ouais, j'ai trouvé une bande là. Ils nous sont prêts à nous vendre des explosifs. On va y aller. Ah oui quand même. Pardon. Vous avez combien d'hommes? Vous quatre, plus nous deux, ça fait 6, plus... voilà. Tu comptes sur ses doigts, 4, 6, mais ça arrive qu'à 6, il cherche d'autres doigts, mais il n'y en a pas, quoi. Il commence à compter les explosifs pour ajouter du monde. C'est leur frère, ils savent que demain soir, ils devraient faire un échange que de toute façon, qui va aboutir à rien. Voilà. Alors, on va le chercher. Moi je propose plutôt l'idée du guet-apens de quand le bateau. Très bien, très bien. Alors les explosifs, on les met où ? On peut les emmener si vous voulez. On peut les lancer sur un bateau adverse éventuellement. Les grenades, non. Tu connais pas grand chose en explosifs. On peut en mettre partout où ils vont accoster. En arme à feu, oui. Dans le port, sur les quais. On verra sur le comment déjà. Directement sur l'île, mais vous pouvez les emmener, les explosifs, si vous voulez. On avisera. Vous voulez qu'on aille les poser ce soir? Et du coup, mais qui c'est qui viendrait avec nous, les deux enfants? Enfin, ah bah non, professeur Demir et son fils, c'est ça? Il est trop attendu. Enfants. Non, les. Oui. Ah, les deux enfants. Ils veulent sauver leur frère.
Imagine, t'as quelqu'un de ta famille. Je me tourne vers la jeune fille et je lui demande si elle sait servir d'une arme à la. Bon, après, vous savez, on aurait un bateau à notre disposition. Et oui, parce qu'on a appris que Nisra était sur une île. Oui, ça peut être faisable, oui. Oui, je connais un copain. Un bateau de pêche, ça vous dirait? Oh bah oui, je pense pas que ça ait une importance. Un bateau qui soit assez rapide, si possible. Parce que si c'est à la rame, j'ai bien peur. Enfin, je sais pas, mais... C'est l'île des Princes, je ne sais pas combien de temps il faut pour y aller, mais s'il faut qu'on compte que sur la voile ou... Enfin, je sais pas. Et vous auriez des amis qui pourraient nous aider D'ici demain soir... oui, on pourra réunir un peu de monde, mais... Des connaissances... Le problème, c'est que quand vous les voyez, c'est pas John Rambo, le gamin, quoi. Des foudres de guerre. C'est plus des intellectuels. Oui, bah oui, c'est pour ça. Donc tu te doutes que leurs copains, c'est plus des intellectuels aussi. Mais bon, ils ont l'air motivés. Ouais, mais bon... De toute façon, on a besoin de quelqu'un pour piloter le bateau, donc s'il nous aide à la manœuvre, c'est bien, mais il faut pas qu'il s'expose non plus. Vous voyez Demir qui sort de son bureau et j'ai fini de traduire. Alors, professeur, dites-nous tout. C'est terrible. Bon. Mais encore. La section hiéroglyphe. Terrible. Ça indique clairement qu'il est inutile de trouver un vrai prince. Que toute personne qui porte le fez et accomplit le rituel est considérée comme un prince. J'ai appris aussi que l'accomplissement du rituel serait désastreux, puisqu'il permettrait au père de tous les sorciers, un être apparemment maléfique qui dépasse la conception humaine du mal, d'entrer dans notre réalité. Le prix de la ville, voire le pays, aurait à payer serait terrible. Les hiéroglyphes indiquent également que comment détruire le fez définitivement. Oui, c'est vous savez comment le détruire. Doit porter un fez à proximité du contrôleur actuel du fez et le vaincre dans un combat de volonté. Je me tourne vers Kassim. Oui. Le sort, je l'ai là, enfin, je l'ai traduit. C'est un rituel. Alors ça, c'est un fameux avantage que nous avons dans notre question. Là. C'est sûr qu'avec ça, nous pourrons mettre. Le problème, c'est que ce rituel, il permet à quelqu'un de détruire tous les fez créés par le contrôleur. Mais faut lancer un défi et celui qui lance le défi doit porter le fez rouge sang. Doit porter un fez rouge sang. Et vous voulez sauver votre fils ou pas? Bien sûr, oui. Et tout porte à croire que tous les gens qui seront au moment de l'échange porteront un fez rouge. À ceux qui n'en portent pas, on pourra s'en charger. Et là, on parle du fez rouge sang. Oui. Bien, nous l'avons. D'accord. Oui. Non, mais oui. Mais qui va. Enfin. Comment on va faire? Je me retourne vers Kassim, à nouveau. Moi, je regarde bien le professeur. Et faire quoi? Faire comment? Ou quoi? Mais en tout cas, de quelque chose de terrible qui sortirait. Vous avez le droit de me faire un test en mythe de Cthulhu? Il y a une voix bizarre, le maître de jeu. Pourquoi? Il y a du Cthulhu Mythos? Non, zéro. Non, parce que tu. Tu penses faire zéro. Comment on fait?
là, déjà, on pensait récupérer votre fils juste avant qu'il fasse l'échange. C'est-à-dire quand on sait où Enis sera. On pense qu'elle retient votre fils en otage sur une île, une des îles des princes. Bon, je suppose qu'il connaît, professeur. Et en fait, on envisageait de se mettre en embuscade en fait sur cette île de façon à pouvoir intercepter le bateau quand ils iraient se rendre à l'échange. D'accord. Vos deux enfants sont portés volontaires pour nous trouver une embarcation. Je ne veux pas que mes deux autres enfants prennent un risque. Mais papa, il faut absolument que... Je... Oui. On en parlera plus tard. Allez-y. Vous acceptez que vos enfants viennent avec nous ? Allez-y, allez jusqu'au bout de votre plan. Donc ça, c'est la partie pratique. Après, le reste, c'est pas mon domaine. Vous voulez faire quoi ? Vous voulez prendre un bateau ? Un peu trop de... Et en fait, intercepter votre fils, on espère qu'il aura moins de garde au moment où ils vont le sortir de l'île pour aller faire l'échange. Où, sur le bateau donc, ou sur l'île ? Sur le bateau. Tu fais au moment où ils vont sortir. C'est qu'on sera pas très discret. Bah ouais, moi c'est. ouais, ils te regardent bizarrement. Ils font, mais ils vont venir vous. Enfin, vous arriver. Vous les prenez le bateau, mais ils ont le temps de tuer mon fils. Mais non, Amélia a inventé les commandos. Nous avons de la dynamite. Voilà. Nous pouvons bloquer un bateau sur le ponton le temps de... Alors, attends, parce que là tu me parles d'éprôner un bateau qui part de l'île et puis après là tu me parles de faire sauter. Non, le mieux c'est de... Non, le mieux. L'empêcher de quitter une fois qu'on attend qu'il monte dans le bateau, je suppose qu'il y a un ponton, enfin je sais pas si une île, enfin je... S'ils sont nombreux, il y aura de toute façon plusieurs bateaux, donc je pense qu'ils seraient par groupe séparé. Si on arrive par exemple à faire exploser un bateau, ça permettrait d'isoler le groupe qui a le fils, je veux dire. Et donc ensuite, on pourrait s'arranger pour l'intercepter. Avant qu'il parte de l'île. Non ? Ouais, juste avant qu'il quitte l'île, en fait. Ouais. En espérant qu'à ce moment-là, ils seront pas 20... L'échange est prévu à minuit. Mais d'accord. Donc il fera nuit. Mais d'accord. Oui. Oui. Parfait, l'obscurité nous camouflera. Bon, on n'y verra rien non plus, mais... Vous voulez... J'ai un peu de mal à comprendre votre plan, vous dit Demir, là. vous voulez quoi, en même fait de fou. Intercepter... Quand ils sont encore sur l'île. Bah ouais, parce que sinon, si on a un bateau de pêche, avec un bateau de pêche, arrêter un autre bateau, enfin là, mais d'accord, là, mais là, les forces là, en présence même sur Amélia, l'île, je crois que... on espérait qu'ils ne soient pas tous au même endroit, au même moment. L'île, c'est dans la mer de Marmara, là, c'est des îles. Attends, il te sort un plan, hein, c'est trop dur. Est-ce qu'on peut faire voir ça? Oui, je peux faire voir ça, c'est pas très très grave. Hop. Voilà. Ah, c'est pas très grand quand même. Hein. Oui. 30 mètres, ça fait quoi? Il y a 100 mètres sur... Au milieu, Yama, c'est, au milieu, c'est 200 la tour, sur 100. Tour de Nistra, mais... Et le port est en bas. Attends, 230 mètres, 30. Ah ouais, c'est ça, 200 fois 100, quoi. C'est magnifique. Ah oui, effectivement, oui. À la course, moi, tu fais le bout de l'île. Voilà, en fait, c'est une île avec une tour au milieu. Genre, bas, hein. Il y a des buissons un peu, mais... Ouais, c'est tout petit. Sachant que c'est les adorateurs du Fès, donc si on les tue, on risque de tomber sur des bêtes sympas, non? Pour Georges, pour moi, les choses sont assez simples, en fait. Ah bah, magnifique. Comme... grâce à Monsieur Demir et à ce qu'il vient de décrypter, et grâce au sort qu'il vient de découvrir, il suffit juste d'affronter par elle-même, qui à mon avis sera au moment de l'échange, voudra récupérer le Fès Rouge Sang. Ah oui, mais non, c'est pas ça que je voulais. Donc, elle sera certainement accompagnée de plein d'adorateurs afin d'être sûre de remporter un éventuel défi, en tout cas, ou en tout cas d'être protégée.
Donc il ne reste plus qu'à à la défier et effectivement à la vaincre. Le voilà. Alors, quel que soit l'endroit, ça n'a pas d'importance. Mais même, tu veux dire, quel que soit l'endroit, tu penses qu'elle sera elle-même en personne au moment de l'échange ? Ouais. Je pense qu'elle tient elle-même à récupérer ce fez rouge que nous détenons. Azim, toi, tu connais le fait de contrôler un serviteur du fez rouge, c'est ça ? Oui. On fait sauter un maximum de personnes, et puis après, on aura beaucoup de gens pour nous aider, là. D'adorateur du serviteur du fez rouge. Bah, je sais pas, il peut en contrôler combien à la fois. C'est pas stipulé, ça. À mon avis, c'est un pour un. Un serviteur, c'est marqué. Si vite t'en contrôles un, tu l'envoies partout, il fait le ménage pour nous, hein. De toute façon... Il faut que ça soit le bon, quoi. Oui. Oui. Est-ce que quelqu'un va apprendre le sort détruire le fez? Là il est minuit, il oui. Va bientôt être minuit, donc on va bientôt arrêter là. Et si en termes de jeu, vous devez sacrifier 15 points de pou, croiser le regard du contrôleur et réussir un test de pou en opposition. Si le test en opposition est un c'est succès, votre fez en fait devient le fez dominant en lieu et place de celui du contrôleur. Tu peux alors donc décider de détruire tous les fez. C'est instantané. Et pour la petite blague, celui qui détruit les fez perd un des 10 points de santé mentale. Ceux qui portent un fez effectuent un test de pouls difficile et en cas d'échec, leur tête explose. En cas de succès, ils peuvent enlever le fez dans la demi-seconde entre le moment où ils se détachent de leur tête et celui où il explose. Le fez devenu dominant se délie en une pâte rouge qui coule sur le visage de celui qui le porte. Sont une tâche indélébile qui lui fait perdre 5 points d'app. Voilà. C'est juste pour lui donner. Je te le mets dans ton. Voilà. Pour te donner envie. Je te l'ai mis dans ton dans tes spells, Cassim. Après, vous faites ce que vous voulez. Vous me direz. C'est histoire que pour la prochaine fois, je m'en souvienne que. Ouais, ok. Et si on est deux à l'apprendre, on peut s'entraider. Ça n'a pas trop l'intérêt. Non, on peut pas partager les points de temps. Pour gagner sur le défi. C'est qu'un seul fez. Hein. Non, puis tu vas pas. Ben non, puis en plus c'est en opposition. Donc, en oh fait, faut que tu cibles celui qui a le fez dominant. D'accord. Il y a un fez. Il y a un fez pour les contrôler tous. Voilà, il y a un fez pour les contrôler tous. Ah ouais, parce qu'on a qu'un, on en a qu'un fez. Mais en même temps, vous voulez dominer qui? Parce que vous pensez qu'elle a un fez. C'est pour ça qu'elle vous demande de lui redonner le fez. Ah ouais, c'est pas con. Peut-être qu'elle en a pas, en fait. Oui, mais c'est peut-être... Je pensais qu'elle avait... Ouais, mais il y a bien quelqu'un qui contrôle... Memcaf. Le ah seul ouais, mais Memcaf, il est pas vraiment là, quoi. Ça marche à distance. C'est le seul qu'on a vu qui avait un fez qui en contrôlait d'autres. Hein. Ouais, mais ça marchera jamais à distance. Il est à Vienne, Memcaf, hein, ouais, même s'il s'est rapproché. Il a eu le temps de venir en deux jours, là. Enfin, un jour et demi. Ouais, mais on n'y s'est pas dit qu'il... Quoi. Je suppose que ça marche pas à distance, il faut voir le. Enfin, tu sais pas, mais. Non, oui, il faut voir l'adorateur. Faut dire. Mais c'est pour ça, depuis tout à l'heure, vous êtes en train de prendre la tête avec le fez, mais. Demande le fez. Elle veut le fez, le bouquin, et que vous vous cassiez. Enfin, elle, du culte, vous demande. En échange, il vous redonne le gamin. Je vois pas pourquoi elle te demanderait le fez si elle en avait déjà un, tu vois. Enfin, un dominant, quoi, tu vois. Il n'y aurait pas des... Un dominant, ouais, c'est vrai. Non, vous avez... Vous avez bien capté le truc, ou... C'est pas fou. Oui, pas maintenant, c'est... Oui. Ouais, pour un fric, quoi, du coup. Après, est-ce que Memcaf a la capacité comment, de je revenir ça, ici mais... en si peu de temps et en sortant de la police et tout ça? Je suis pas sûr, moi, non plus. C'est quand mais même un magos. Hein. Ah, un magos, c'est quand même ouais. Quelqu'un qui... Je rappelle que la dernière fois que tu l'as vu, il a essayé de te dominer mentalement. Oui, c'est vrai.
Eh ben moi je propose que si Cassim ou le professeur, un des deux, se dévoue pour porter le fez, et moi je tire sur tous ceux qui sont autour. Voilà, je fais la garde rapprochée, je vois que ça. Hein. Parce que moi la magie c'est pas mon truc, je vous protège pendant que vous faites, je sais pas bien ce que vous allez faire, mais sur les autres porteurs de fez ou autres. Qui de moi ou Cassim est le plus apte? Déjà, Cassim, il peut contrôler les porteurs de fez, au moins un. Au moins un. Du coup, si j'ai bien compris, s'il n'y a pas de contrôleur, donc c'est-à-dire de fez rouge maître, si on peut dire, on risque pas de contrôler les adorateurs qui porteraient un fez. Fait, sauf si Menka fait là. Sauf si Menka fait là. Parce qu'elle, Anissa, il y en a encore un troisième. Ce qu'il lui faut, pour, donc ce que vous avez compris de ce que vous a dit le français et tout ça, et tout ce que vous avez, les infos que vous avez. Pour faire son rituel, une espèce de rituel pour faire revenir la bête, là, une espèce de truc dégueulasse. Enfin, faut pas que je dise la bête, une saloperie. Le monstre, créature. Lui faut le livre en entier et un fez rouge, enfin un fez rouge sang, quoi. Pas un fez. Mm-hmm. Oui, il faut un fez. Un fez rouge sang. On va dire comme ça, oui, voilà. Cure. Un fez comme vous avez vous. Mais d'un autre côté, elle aurait le livre, elle pourrait se le fabriquer, si j'ai bien compris. Mais... Exactement. C'est peut-être pour ça qu'ils ont été le rechercher. Je suis pas énervé, hein. Je suis désolé, je voulais pas... c'est pas le ton que je voulais mettre. C'est pas le ton que je voulais mettre dans ma phrase. Mais ça veut dire qu'elle pourrait rentrer en concurrence avec Minecraft. En concurrence avec Minecraft. Ils sont associés. Enfin, ouais, ils sont associés. Oui, ils sont associés, mais c'est ce que vous a dit le français, apparemment, qui a l'air de connaître quand même pas mal de trucs. Il vous a dit que même elle serait quasiment, elle aurait plus de pouvoir que Menkaf. Sinon, tu penses bien que Menkaf, il l'aurait fait le rituel. Et... Ouais, mais il y en a qu'un des deux qui peut faire le rituel. Donc, de toute façon, à un moment donné, ils seront forcément en opposition. Mais pour l'instant, c'est pas si même Kafka est revenu ou pas, de toute façon. Oui. Moi, je dis, il faut y aller. Mais par contre, je suis pas trop pour emmener les gamins de... Non, mais on les laisse. On part le matin tôt et puis on les réveille pas, j'en sais rien. Je me dis, ah, ouais. C'est à minuit, puis, hein. À minuit, rendez-vous sur les docks. Oui, partent avant. Et si on veut faire créer un guet-apens, on va dire, il faut qu'on parte longtemps avant, quoi. Ah, mais il faut presque qu'on parte maintenant, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On n'a toujours pas décidé. De toute façon, vous allez avoir une semaine pour vous décider. C'est pas ce soir. En temps IRL. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est qu'on peut pas tout lui donner non plus, quoi. Enfin, non. Tu peux tout lui donner si derrière t'es sûr de tout lui enlever. Vous pouvez créer des fesses. On est jamais sûr de rien. Ouais. Tu l'as le sort créé à ta quoi comme ça. Comme on l'a pas appris. Mais il te reste le serviteur. Oui, puis c'est. Ouais, mais il reste. Un par jour. Donc, Minuit à minuit, t'as le temps d'en apprendre un pour te sauver le cul. Un fez, on fait un duel. Non, ce que je voulais dire, c'était on peut créer qu'un fez par jour. On peut apprendre le sort pendant un jour, puis après on n'a pas le temps. Il y a fez, un jour, bien, tu peux faire le temps d'incantation, c'est un jour. Ah, je sais pas. Ouais. Non, c'est on mais peut c'est, créer oui, un fez par jour, parce que tu peux pas en créer deux, mais ça te met 10 minutes à le créer. D'accord. Oui. Je veux dire, on n'aura qu'un fez. Ah, tu veux dire un fez maître? Réfléchissez. Un fez tueur. On crée un fez serviteur, un fez serviteur. On garde le fez. On lui fait, on fait un fez. On lui enfile un autre et après on lui fait exploser la crâne. Voilà. Oui, mais elle le verra, ça. Non, elle le connaît pas. C'est pas ça. Elle le verra. De quoi? Il y aura pas une différence. Entre les deux. Tu fais. On donne un fez serviteur comme il y en a pas. Il y en a beaucoup qui sont fait avoir. Ouais. Mettons qu'il fasse nuit, mettons que ça soit dans une boîte. Un fez serviteur et puis on garde le fez contrôleur que Cassim ou moi portons.
Exploser après, la tête. Faut être sûr du jet, quoi. Ah, faut être sûr de tout à chaque fois. Et en plus, elle va, si elle le met sur la tête, d'ailleurs, elle le mettra peut-être sur la tête tout de suite. Et si elle le met sur la tête, là, elle le verra. Elle verra que ça sentira la rose. Rien à voir avec celui de Minecraft. Une fois qu'il est mis, c'est, je te dirais, c'est un peu trop tard. Hein. Ouais, si c'est un fez qui a été préparé par magie, je pense pas qu'il y ait. Chose depuis des années et elle a tout ce qu'il faut pour l'invoquer. Du coup, franchement, elle va regarder s'il sent la vanille ou. Je sais pas après. Ah oui, ils sont machiavéliques. Hein. C'est le meilleur plan qu'on ait eu. Hein. On peut essayer, bon, on fait l'échange en ayant préparé un fez de secours et puis. Après, ça vous demande un timing. Et puis après, faut apprendre le sort tout de suite et faire pousser le fez tout de suite, quoi. Ouais. Ouais. Pousser le fez. Pousse par les fez. Ben voilà. Parce qu'en plus, même une fois mort, devenu un serviteur, il pourrait être contrôlé par Cassim, de toute façon. Oui. Alors après, Cassim, il a combien On sera débarrassé aussi à ce niveau-là. C'est ouais, Cassim, c'est un beau gosse. 75 en pouls. Voilà. Il a un beau pouf. J'ai de la marge. C'est le plus apte à faire un peu. Un autre plan, appliquer notre. À vous de voir. Oh là là, détruire le fez, un désir de San. Alors je vous annonce que à la fin c'est la fin du bouquin. Vous êtes dans les dernières pages, hein. Vous voyez. Ouais, épilogue. Façon, regardez la fin du livre. Cassim ne s'en sort pas de toute façon. Alors là, tu peux sauter 3-4 pages du bouquin. Il n'y a pas de descendance monde, après la fin pour Cassim. Ouais, c'est bon, allez, on y va. Ben voilà, c'est ce que j'ai proposé. Ça. On peut ouais, je pense qu'il n'y a aucun survivant à la fin de ce livre, donc c'est pas grave. Voilà. Je pense qu'Amelia va mourir en héros en descendant tous ceux qui sont à côté, le temps que vous arriviez à faire votre truc avec le fess, à mon avis. Après, voilà. Enfin... J'espère qu'ils viendront pas à 20 pour faire l'échange, hein, quand même. Bah, je pense qu'ils vont venir quand même un maximum. Hein. Ouais, peut-être être en comité réduit, hein, ça peut être intéressant. Hein. Leur objectif de toujours. Donc, on peut toujours miner le terrain. Quoi. On peut mettre des dynamites, quoi. On peut installer des dispositifs. Oui. Dis le professeur d'archéologie avec son vieux chapeau et sa canne. La dynamite, je connais bien. Oui, c'est ça. Je connais bien la dynamite, moi. Mais je pense franchement, il faut agir sur deux niveaux parce que quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur la magie, généralement, il s'attend pas à ce qu'il y ait autre chose. C'est vraiment en fonction de ce qu'ils vont faire qu'on va réagir, je pense. Ah, on va être face à beaucoup de monde, je pense. Hein. Vous avez réussi à le maîtriser, Mencaf, alors qu'il fait de la magie. Ouais, il a pas résisté à mon crochet du droit. On était en surnombre. On était 3 contre 1, je crois, mais bon. Ni après, moi, ni Cassim après, pouvons vous, faire quelque chose. Hein. Vous pouvez aller voir la police, vous pouvez... Faites ce que vous voulez. Hein. Ben, ce qu'il y a, c'est que si on veut récupérer le gosse vivant, il nous va débarquer avec la police, je pense qu'il a aucune chance, ce gosse, mais bon... Après, ce qu'on peut faire, sinon, c'est récupérer le cadavre et puis mettre le fesse dessus. Il y a moyen de l'animer, peut-être. Ah, oui. Ça, c'est de l'électricité, c'est faisable. Tiens, Demir, je t'ai ramené ton fils. Bon, par contre... Bon, il est un peu abîmé, mais bon. De quoi? Il bave du sang. Ouais, c'est pas grave. Mais en dehors de ça, on attendrait le rendez-vous pour... De minuit au point de rendez-vous, on essaye d'aller sur l'île alors. Alors quel est l'avantage d'aller sur l'île? On a vu que c'était assez petit. Bah, c'était la surprise d'aller sur l'île, c'est-à-dire qu'ils s'attendent peut-être pas à ce qu'on les ait dénichés et qu'on les attaque. Après, c'est tout petit. Hein. Ça dépend si tu veux faire un livre d'action ou un livre plus. Tu vois,
Je peux te refaire voir le plan parce que vous avez sorti le plan de mes souvenirs. Demir, vous avez sorti le plan. Oui. Donc vous devez l'avoir. Je me souviens juste que l'île était toute petite, ça c'est ouais, sûr. Vous avez fait voir sur un plan. Ouais. Après, peut-être que si on va sur l'île avant, il y a peut-être moyen de faire du repérage. Et... On n'a pas rendez-vous sur l'île, on a rendez-vous. Oui, on n'a pas. Oui, on n'a pas rendez-vous. Ils prennent le bateau, c'est vrai. Ouais. Pour les chèvres. Après, ce qu'on avait dit aussi, c'est que sur l'île, on avait peut-être moyen de s'approcher discrètement, voir ce qu'il en était. Après, ça veut dire qu'on laisse de côté la négociation, quoi. Fez, le deuxième ouais, Fez. C'est sûr que si on va sur l'île comme ça, enfin, je vois pas trop lui envoyer le truc sur la tête. Tiens, mais enfin, ça fait, je sais pas, mais bon. Oui, puis on aura surtout pas le deuxième Fez. On aura pas le temps de le faire. Ouais. Après, vous pouvez peut-être faire du. Enfin, aller sur l'île, voir comment ça se passe, et puis revenir si ça se passe mal. Sans être, si vous n'êtes pas démasqué. Juste pour espionner, tu veux dire? Ouais. À 22 km de Constantinople. C'est pas non plus proche, hein. Ah oui, c'est pas... Enfin, vous... Ça met combien en bateau? Enfin, un bateau de pêcheur... Pour une heure à peu près. Ouais. Un peu plus. Pas une heure. Un peu plus d'une heure si la mer est calme, une heure et demie, on va dire. Ouais. Ouais, c'est faisable effectivement de d'aller voir. Tu fais du 8. Par contre, si on se fait repérer pour l'effet de surprise ou autre, ça marchera. Essaye de monter une opération. C'est 12 km. Mais du coup, par contre, le sort de contrôle des. Tu peux pas contrôler. Kassim, tu peux pas contrôler des gens qui ont des fesses si. Si c'est pas toi qui les as créés, c'est ça? Attends, alors ce sort accélère la transformation du porteur du fesse en un serviteur du fesse rouge sans. Le serviteur suit les ordres du contrôleur. À ce stade-ci, la personne est sous l'emprise totale du Fez. Il ne peut pas résister. Ouais, donc c'est contrôleur du Fez. Ouais, d'accord, serviteur, ok. Voilà, on va dans la chambre de Nisra. On lui met sur la tête. Hop, on peut plus. Moins qu'elle dort. Le marin vous dit qu'il faut 2 heures pour y aller. Autant pour moi. Il me paraît assez petit, une heure. Ouais, il faut 2 heures, parce que ça fait du 9 km/h un bateau. 2 heures aller, 2 heures retour. Ouais. Ben, on y va de nuit et on fait. Ouais, moi je suis plutôt tenté d'aller sur l'île de Mistra juste pour, on va dire, côté surprise. De toute façon, en gros, pendant que Kassim il apprend son sort, enfin, s'il l'apprend, je sais pas. Ouais. Vous avez pas forcément grand chose d'autre à faire. On y va, on coule tous les bateaux de l'île et on se barre. Ah ben non, ils pourront pas nous amener le bastonnage. Il faut récupérer les gamins. Et ouais. Voilà. C'est vrai que. Mais c'est faisable, je pense, d'aller faire un tour de reconnaissance, ah oui, ne serait-ce pour savoir combien ils sont. Il peut trouver son pote marin. Alors, je sais plus comment il s'appelle, Abdul. Ah oh, putain, je sais plus comment il s'appelle. Alors, comment il s'appelle ce couillon là? Abdullah aux 9 doigts. Voilà, je l'ai retrouvé. Oh. C'est un capitaine de navire, un courageux qui possède un petit chalutier. C'est un copain du professeur en fait. Alors, il a lui et son équipage. Donc ils sont 5 sur le bateau. Sur un petit chalutier quoi. Puis bah, tu voulais y aller de nuit, y a pas de problème. Bon bah, c'est parti. Juste pour le contexte d'ensemble, c'est ça. Oui. Notre objectif, c'est de détruire le Fez rouge. Pour cela, on a le professeur Demir qui peut le faire, c'est ça. Mais simplement, il le fera que quand on lui aura ramené son gamin, c'est ça. Non, c'est pas ça. Le professeur Demir, il est pris dans le truc que son gamin a été enlevé
et il est persuadé que quoi qu'il se passe, son gamin il va pas le retrouver. D'accord. Donc c'est pour ça que lui, il dit il faut agir avant. Avant l'échange, ou alors pendant l'échange, faut foutre la merde et tirer dans le tas et récupérer le gamin, quoi. Ouais. Ok. Ouais, mais par rapport aux fesses rouges que l'on veut détruire. Ah mais lui, il est d'accord pour le détruire. Hein. Il est déjà capable de le détruire. Ouais, non mais lui, il n'y a pas de problème pour le détruire. Il trouve que c'est un objet impie qui ne devrait pas être aux mains de ces fous, quoi. Ouais, tout à fait. Il est... Voilà, et puis en fait, il le fera... Ah oui, là, lui, il est blanc comme neige. Enfin, il a pas de... Parce qu'à la limite, on pourrait détruire le fest tout de suite, et puis... Oui, détruire tout de suite, ça veut dire pas pouvoir t'en servir. Oui. Mais elle n'y sera non plus. Est-ce qu'on sait comment le détruire, le fez, concrètement, comment ça marche? Il n'y a pas un sort pour ça, si il me semble bien. Alors, tac, tac, tac. Oui, donc c'est dans la section hiéroglyphe que Demir a traduit. Ça s'appelle oui. Détruire le sort. Et en fait, ça permet à quelqu'un de détruire tous les fez portés, créés par le contrôleur. Celui qui lance le défi au fond, blablabla. Non, mais le fez rouge sang. Bah, en fait, tu peux détruire tous les fez. Que tu enchaînes en fait, t'en détruis. Enfin, je... en fait, oui, avec ton fez, tu peux détruire tous les fez. Et enfin, avec le fez rouge champ, tu peux détruire tous les fez, ok. Et même le fez rouge champ. D'accord. D'accord. Ça, Cassim, en fait, il sait faire. Ça, Cassim, il sait faire. Par contre, faut pas chier ton jet de poux, parce que si tu chies ton jet de poux, en mode difficile, la tête explose. Ah oui, c'est un contraignant, effectivement. Ok. Et si tu réussis ton jet de poux, en fait. T'as le temps de l'enlever de ta tête avant qu'il n'explose. En difficile ou en extrême? En difficile. Ouais. Oui, ça laisse pas beaucoup de marge d'erreur, mais. Ouais. Donc du coup après le fez qui est devenu, qui est donc le fez dominant, il se délite en une pâte rouge qui coule sur le visage de celui qu'il porte, laissant une tache indélébile qui lui fait perdre 5 points d'ap. Donc, voilà, d'où les taches de vin, quoi. Voilà, d'où les taches de vin. Ouais. Ok, c'est clair ou pas? Non. Si. Ça détruit tous les fez rouges dans. Donc tu peux détruire tous les fez rouges sans. Sur terre ou? Non, c'est dans un rayon. Dans un rayon. Il me semble que c'est dans un rayon. Là, je commence à me dire que j'allais être super puissant, quoi. Mais Cassim, tu le connais pas ce sort-là? C'est oui. C'est le professeur Demir qui l'a. Non, il l'a si appris, Cassim. Détruire les fez, je le connais. D'accord. Qu'est-ce qui nous empêche de détruire le fez maintenant, puis point? Non, parce que. Bah, essayer de sauver le gamin, surtout, c'est surtout ça. Parce que le marché, ça serait d'échanger le fils de Demir contre le fez et le manuscrit. Si je me souviens bien. Il y a le manuscrit en plus. Ouais, sinon, on peut mettre un faux fez. On achète un fez dans le commerce basique, quoi. Mais en faisant le fez, en créant un fez, c'était justement l'optique de substituer le fez rouge sang par un faux fez. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris. Ouais, ouais, non, mais il sera magique, quoi. Ah oui, il sera magique. Ouais. Oui, mais ça sera pas un fez majeur. Le fez contrôleur. Ce sera pas le fez contrôleur, là. Ce sera pas le fez contrôleur. Le fez primal. C'est ça. On y va? Bah moi je vous attends. Ouais. 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 Ok. Oui. Alors comment vous faites? Ah bah moi je fais mon fez dans mon coin tout seul. Bah tu fais ton fez, tu apprends le sort créer un fez, c'est ça? Donc toi, jusqu'à demain soir, t'es bloqué. D'accord? Oui, ouais. Je
je te drag and drop le contrôler le fez comme ça. Attends, faut que je fasse mon jeu peut-être, non? T'as un jeu d'intelligence à faire quand tu le lances? Savoir si tu l'as appris. Bah, fais ton jeu tout de suite, comme ça on verra bien. Ok, donc il est bon. Donc on dit que on dira que demain soir ton perso, enfin dans le, on va dire 20h quoi. Demain 20h ton perso il a un fez, il a créé le fez. Donc t'as réussi le jet d'idée, ok. On est bon? On est bon pour ouais. Ça. Ouais, parce que tu m'as mis deux fois contrôler le fez. Ah pardon, j'ai mis deux fois contrôler le fez. Non, c'est contrôler le serviteur et contrôler. C'est deux sorts différents, contrôler le fez et contrôler un serviteur. Ah oui, d'accord. Fez, oui. Celui que je viens de te mettre, celui que je viens de te mettre, c'est détruire le fez. D'accord. Ouais. C'est bon. Ok. C'est bon. Nous, de notre côté, on va demander à Messire Neuf-Doigts. Ok, les autres. On va demander à Messire Neuf-Doigts s'il peut nous emmener sur. L'île de Nisra. Donc, de nuit là, comme ça? Oui, il peut. Oui, de nuit. oui, il peut. C'est parti. On peut y être pour. On peut y être pour 23 heures. Parfait. C'est parfait. On prend nos armes. Peut-être que si jamais des bâtons de dynamite sont déjà disponibles, je veux bien en prendre quelques-uns avec moi. Des bâtons de dynamite. Aussi. C'était quoi comme explosif déjà qui était proposé? Bah attends, on va trouver ça quelque part. Je vérifie. Dynamite stick. C'est bien ça. Ok, ça se fait avec lancer. Ok. Ça marche. Qui c'est qui prend des bâtons de dynamite? Je vais prendre moi aussi. Alors, dynamite professeur. Stick, c'est ça. Hop. En général, lancer, il n'y a jamais trop de points dans les stats. C'est slow. c'est un peu le problème. Est-ce qu'il l'a mis? Après, ça reste de la dynamite, hein, c'est pas besoin d'être précis. Oh, il m'a mis en mêlée. Non, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, je proteste. Je trouve ça ranged. 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 ouais. Alors, attends, on fait autrement. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et je vais les foutre dans l'inventaire. Hop, dynamite stick. Voilà. Ok. Mmh. C'est pas arrivé jusqu'à moi, mais. Non, toi c'est normal. Oui, okay. Pourquoi je mets ça à Cassim, moi? C'est pas à toi. Oh, moi je prends tout, toi, sans. Vas-y. Donne tes bâtons de dynamite. Voilà, toi t'as dans ton inventaire, t'en veux combien? 4. Pourquoi mes amis? J'imagine bien Georges avec les bâtons de dynamite autour de la ceinture. Quoi. Non, le cipo allumé. Dans les poches de l'imperméable. Et le briquet qui va avec. Ouais, enfin ça fait quand même 4 des 10, je crois que j'ai pu lire. Oui, 4 des 10. Ouais, 4 des 10. Sur 3 yards. Sur une circonférence de 3 yards. Donc. Bah, faut être sûr qu'il crève. Ça fait 1m50 ça, 3 yards. Ouais. Et professeur, il en veut aussi, il se balade aussi avec des bâtons de dynamite. Professeur, il en prend aussi, ouais. Ok. Ah, c'est plus grand que ça, ça fait 2 mètres, presque 3 mètres. Tiens, tac, j'en ai mis. T'en veux combien? 4, je vais en prendre moi aussi. Ça roule, tout le monde avec des bâtons de dynamite. Oh, moi je suis tiré. Tout va bien. Tu veux quoi? Tu veux une souffleteuse? Attends, bouge pas, je te donne. Tu veux un machin à camembert là? Ah, c'est ça mes tu veux pistolets, quoi? Ça va bien, j'ai l'habitude et tout, faut pas changer des habitudes. Elle veut quoi la dame? J'y vois ce qu'elle veut. J'aurais pas de chaise à porter donc. c'est ça. On aurait pu poser un canon sur la chaise à porter. ah oui, d'accord, ok. Okay. Dessus. Dans le party sheet. Mets ça dans le party sheet avant. Et puis, ben, on s'y rend. Ça roule. Ok, et eh ben écoute, la mer est calme, et vous arrivez au bout de
presque 2 heures, vous voyez au loin, en fait, vous voyez au loin de la lumière. Parce que il y a, alors vous voyez, l'île n'est pas forcément super large. Si ça fait 30 mètres, c'est pas hyper large. Okay. Et donc vous arrivez aux abords de l'île et puis bah, il vous demande jusqu'où il s'approche quoi. On va jusqu'où ? Alors déjà à notre approche, on voit de la lumière, tu dis ? C'est de la lumière sur l'île, c'est au niveau de la tour. C'est de la lumière. C'est au niveau du port. C'est de la lumière gris sur. Alors créé au niveau du port qui se trouve ici, ok, grâce à des torches, enfin des grosses torchères, et il y en a aussi tout autour de la tour en fait. Vous voyez que c'est éclairé. Alors de loin vous voyez que c'est éclairé, mais tu te rends pas compte que c'est. Alors la tour est en hauteur. Hein. Ouais, un peu, ça surplombe un peu. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il aurait la possibilité de nous faire venir? Approcher sans lumière, je crois que ça va être le cas. Mais... Alors, il est assez loin pour l'instant, donc il n'avait pas voulu trop se rapprocher pour pas trop se faire voir. Vous voyez qu'il y a plusieurs petites embarcations ici, sur le bas là, où je vous pointe. Il y a trois petites embarcations. Ok. Ouais, ça serait bien d'aller les voir, celles-là. D'accord. Il vous semble pas avoir vu de bateau à moteur, toujours. Ok. Et donc là, il vous dit, bon bah, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se met en panne à bonne distance, on prend une barque et puis on y va discrètement. Ah bah, ouais, j'ai l'annexe du bateau. Et... Ah ouais, celle qui me permet de rejoindre les ports, ouais. Ouais, ça sera plus discret de toute façon. Oui. Par contre, c'est à la rame, quoi. Ouais, oui. Il nous reste plus beaucoup à faire. Non. Mais enfin, ouais. Vous nous attendez là. Okay, on va dire qu'il s'est mis à bonne distance, quoi. Puis vous pouvez faire le reste à la rame. Après, tout dépend où vous voulez aller. Tout dépend où vous voulez débarquer, quoi. Sachant que c'est pas un aplomb rocheux. Hein. C'est de la plage sable. Alors par contre, vous êtes comme c'est pas rocheux et tout, vous êtes pas forcément super couvert, quoi. Ouais. Vous voyez, c'est ouais. C'est du sable avec des petits buissons, des trucs comme ça, quoi. C'est pas une forêt, quoi. Ouais, tu peux à distance quoi, du port. Et y a de la lumière là où il y a les embarcations ou ouais, pas... c'est là où t'as des grosses torchères qui éclairent tout le pont. En fait. Ah, tu vois, des torchères, ça fait 1 mètre, 1 mètre 50 et c'est des grosses torchères. Ouais, c'est clair autour du bateau, quoi, d'accord. Et on voit pas de silhouette qui se découpe ou non, on voit pas d'ici. D'ici, vous verrez pas, non. Et c'est pareil, vous voyez, alors la tour de Nistra, où il y a la tour, vous voyez pas forcément ce qui produit la lumière, mais vous voyez bien que c'est éclairé, quoi. Ça reflète sur la tour, les côtés de la tour sont éclairés. Comme si... Pensez que ça, c'est des torchères, si tu veux. D'accord. Ouais, après, si c'est pas escarpé, effectivement, on n'a pas intérêt à aller là en plein où il y a la lumière, quoi, pour débarquer, non. C'est clair. Tout à fait. 40 ou 50 mètres, c'est mieux. Ouais. Oui, même, je dirais presque diamétralement opposé par rapport aux embarcations, par rapport au port. Ça serait même pas plus mal. Si vous voulez, il peut aller mettre son bateau là-bas, enfin, il peut le faire de l'autre côté. Hein, c'est pour, Il peut nous amener, enfin, il peut se mettre tout près sans être vu. À tout près, c'est ce qu'il te dit, non, mais tu vas être obligé de faire de la barque un peu. Hein. Dans la direction, d'accord. Par contre, il peut se mettre plus haut pour éviter que tu aies moins de barques à faire. La côte nord. Puis c'est pareil, il veut pas refoutre trop le moteur en route. Il dit si on fout le moteur en route plus loin, on va nous entendre. Quoi. Tout à fait. Bonne idée. Ok. Et ben, oui, on m'appelle pas. J'ai pas 9 doigts pour rien. Hein. Vous voyez qu'il a réellement 9 doigts en fait. On l'appelle pas. Ok, donc bah, il vous emmène en haut du coup, et puis du coup, vous pouvez venir du haut et débarquer du haut. Ouais, on accoste sur la plage. Discrétion, c'est à pied sec. Sur la plage, donc, coquillages et crustacés. Ok. On file jusqu'au buisson le plus proche. Ouais. Direction de la tour. Ouais. On voit tout le monde ou pas déjà? Là, vous voyez pas. Non, vous voyez personne. L'extérieur, une personne. Donc là, tu vois, ça fait trois. Vous avez trois rangées en fait. Enfin, trois rangées sur le dessin, je sais pas si tu m'exprimes bien, mais vous avez trois niveaux, on va dire.
Ouais. Donc quand vous pouvez arriver jusqu'au premier niveau sans voir personne. Par contre, c'est des dunes, quoi. C'est du sable. Oh, ça fait pas trop de bruit quand on marche dans le sable. Là, vous voyez personne, quoi. Est-ce que vous entendez du bruit? Bah, Proudhon, il est 11h30. Ouais, il est 11h30 bien tassé, presque minuit. Non, vous entendez pas de bruit. De temps en temps, vous entendez une chef. Ça arrête là. On essaie de s'approcher. Je passe d'abord. Je vais jusqu'à la tour en essayant de voir s'il y a quelqu'un ou pas. Et s'il y a personne, je vous fais signe d'approcher. Est-ce qu'il y a un mur d'enceinte du coup autour de la tour? Il y a un muret. Là ici, là, le dernier trail, en fait, c'est un muret d'enceinte. Ah, je l'avais oublié celui-là. Celui-là. C'est un muret d'enceinte. Là, c'est un muret d'enceinte. C'est un muret qu'on peut enjamber ou enfin. Ouais, quelle hauteur? Non, t'es là. 1m50. Oh, bah ça va. 1m50, ça fait pas 3 mètres. Hein. C'est, tu te dis, c'est juste pour que les chèvres. Enfin, ça, le genre, c'est un truc pour pas que les chèvres elles s'en aillent. Quoi. D'accord. Donc, une fois arrivé au mur d'enceinte, je jette un œil du côté, de l'autre côté, bien sûr, pour assez du monde. Ouais, tu vois du monde. Tu vas me faire un petit jet de discrétion par contre. Juste que je vérifie un petit truc. Stealth, c'est ça? Ouais. Donc nous, on est couché dans les dunes un peu plus loin, on attend qu'il nous dise si la voie est libre. Voilà. C'était ça l'idée. Ok. Réussi. En forme. Ok. Donc, ouais, tu vois du monde, ouais. Tu sais, tu te lèves de... En fait, t'es là, tu te prends sur le muret, tu te lèves d'un coup, tu regardes, oh putain, fou, tu rebaisses. Je me refouille dans le sable. Du monde, c'est-à-dire combien de... Ah bah... Je retourne expliquer tout ce que j'ai vu à mes compagnons. Tu penses qu'il y a une quinzaine de personnes qui sont à l'intérieur, quoi. Ouais. Ah, quand même. Alors ils sont en train, en plus ils sont en train de faire un truc autour d'un feu, enfin c'est ce qui provoquait la lumière que tu voyais de l'extérieur, ils sont regroupés autour du feu, il y a beaucoup de monde regroupé autour du feu. Fabrique des fesses. On essaye une diversion avec les chèvres. on libère les chèvres et on les regarde courir après. Il y a des chèvres, hein, tu nous as dit qu'on en entendait. Hein. Je sais pas pourquoi... Et tu les as dit tout à l'heure. Oui, elles sont dans l'enclos à chèvres qui est là. Et il y a eu le temps de le voir vite fait. Là, t'as une troupée de chèvres. Ouais, oui, t'as des chèvres. Non, mais comme ils sont moins de 15, ils vont aller courir derrière les chèvres, c'est sûr. Je pense que, j'ai l'impression que la diversion ne va pas être très forte. Par contre, ce qu'on pourrait faire, c'est saboter les bateaux et en laisser un seul. Ils pourront pas venir à 40 rendez-vous. Ah oui, ça c'est pas bête, ça, tiens. Ils n'ont pas forcément le temps de tous rappliquer, quoi. Eh oui. Oui, bah oui. Oui. Et... Non, c'est faisable. Est-ce que les chefs, je sais pas, ça pourrait être une diversion valable, ça? Ce serait parce bizarre, que... quand même. Parce que les chèvres, elles vont sortir si elles ont envie de sortir déjà. Ensuite, elles vont là, sortir. C'était juste, je me disais, s'ils étaient devant la porte de la tour, tu vois, ça les aurait occupés. Mais il aurait quand même fallu, ça aurait été un peu risqué hein, quand même de passer quand même devant pour monter. Ah, ouais, peut-être pas. C'était juste pour qu'ils tournent la tête vers les chèvres, tu vois, qu'ils soient pas en garde devant la tour. Mais s'ils sont 15, c'est beaucoup quand même. Hein. Par contre, il y a du monde, oui. C'est... Oui, oui, c'est... Par contre, si on fait voler une chèvre, ça va peut-être aider. Ça peut attirer l'attention. Pourquoi tu veux faire voler une, tu veux faire voler une chèvre? Tu fais comment? Avec un bâton dynamique. Ah oui. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah, non, ça volerait très bien. Ah bah gros kebab. Mais bon, on peut faire aussi sauter une embarcation dans le port. Je pense que là, ça les attirerait un peu plus. Ben, ça dépend, vous voulez le faire discret ou pas? Parce que moi, pas je discret, ouais. Le but étant qu'ils s'en aperçoivent pas. Ouais, on enlève, je sais pas, une planche ou deux, voilà. Des embarcations, quoi, mais pas ça, quelque chose qui fasse trop de bruit. Le moment où ils partiraient, qu'ils s'en rendraient compte, quoi. Ouais. Un petit peu sur le fait. Mm-hmm. D'accord. Mais ça nous. Ok. Oui, on va commencer par ça. On y va tous les trois?
Ouais, donc on contourne largement, du coup, puisqu'ils sont tous occupés devant leur feu. Il suffit qu'on contourne. Je passe toujours devant, on sait jamais. Non. Discrètement, et puis. Oui, parce que s'il y a des. C'est éclairé du côté des bateaux, donc là, il y a peut-être au moins une personne. Enfin, ils sont peut-être pas 15, mais on n'est pas. C'est sûr qu'il y ait personne. Ouais, c'est en pleine procession, donc. Ça... monopolise peut-être tout le monde, quoi. Restons prudents. Que voyons-nous arriver vers le port ? Port par l'est. Ok. Vous faites le tour. Vous faites quoi ? Vous rejoignez le bateau ou vous faites tout en barque ? Non, toi à pied. Ouais, c'est pas très loin à pied. Non, c'est pas. Tu vois, t'as une échelle là qui fait 30 mètres. Donc, tu vois. 150 mètres quoi. On longe le mur d'enceinte comme si on était caché par le. Ouais. Ok. Jusqu'au port. Ouais, c'est 30 mètres. Donc oui, donc tu vois, ça fait pas hyper loin. Ok. Ouais, bah vous arrivez au port. Il y a trois petits bateaux qui sont devant vous. Et personne ? Non. Ok. Bon, on va saboter les deux d'entre eux. Le bateau. Ouais. Ben, on les sabote ou on défait la mare. On peut défaire, si on n'arrive pas à les saboter, on peut couper la mare et puis les... Parce que ça peut être un... Bon d'accord, 2 sur 3, ça serait un peu bizarre, mais au moins, ils n'auront pas de preuve formelle que quelqu'un est venu sur l'île. Oh, ouais. Oh. On leur laisse un bateau. Il y a du courant là, si on défait la mare, le bateau part ou... ça va pas être évident, il va falloir l'emmener un peu au large avant parce que vous êtes dans une crique et la mer rabat sur la. Est-ce que je sais nager Non, mais on prend le troisième bateau. On prend le troisième bateau pour ça. Pour les emmener au loin. Enfin, ouais. Pas peine de te mouiller. Alors, c'est ce qu'on fait. S'il n'y a rien qui s'y oppose, on prend les trois bateaux. On tire les deux derniers avec le premier. Et puis on les libère un peu plus loin. D'accord. Ah, vous avez vaincu le cul. Et puis on revient. Vous faites quoi alors ? Et on revient en bateau. Fait ça. Puis après, on remet le bateau. Ouais, d'accord. Ok. On est revenu sur l'île, toujours personne. Bah là au bateau, il y a personne. 1h du mat, enfin minuit et demi, ouais, non, il est bien 1h du mat, non, maintenant il y a personne là. T'es d'accord, hein, on a libéré deux autres embarcations un peu plus loin qui sont en train de dériver dans la nuit. Ouais, faites-moi, ouais, vous faites quoi après ensuite, une fois qu'on est revenu, on se rapproche à nouveau de la tour. Est-ce qu'on prend le risque d'attendre qu'ils s'endorment ? 1h du matin. Pour jeter un œil ou pas ? Parce que là, la plupart peuvent être endormis ou pas loin, hein, 1h du matin. Je sais pas. Ils sont toujours devant le feu, peut-être, j'en sais rien. C'est pas facile à voir, faut que tu te rapproches. Ouais, allons voir, on se rapproche. Toujours comme. Georges se rapproche. Oui, c'est ça, Georges se rapproche. Jusqu'au mur d'enceinte pour voir s'ils sont toujours là. Tu veux que je fasse un geste, c'est ça ? Ouais. Ouais, fais-moi un jet de discrétion. Ok. Ils sont plus que. Enfin, t'en dénombres apparemment 5 qui ont l'air de faire la garde. Genre, tu vois, ils sont postés chacun à différents endroits. D'accord, sur les 15 qu'il y avait initialement. Ouais. Il reste plus que 5 qui font les 100 pas dans la cour. C'est ce que tu vois, ouais, dans l'extérieur. Ils font pas forcément les 100 pas, mais ils sont posés là. T'en as un qui est à côté des chèvres, l'autre à l'entrée du sentier. Enfin, voilà. Aucun moyen de se rendre à la tour sans que l'un des 5 nous voit. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que t'as même pas. Voilà quoi. De carreau ça fait 30 mètres. Enfin, mais j'ai remis un quadrillage de carreau, ça fait à peine 30 mètres. Surtout si on a réussi à rester discret jusque-là, ça serait dommage de. Oui. Après, je peux essayer d'en assommer un. D'en assommer deux.
peut-être trois. Il non, mais on peut mettre le feu à la tour aussi. Il ne reverra jamais de la tour. En fait, t'en as un qui est en train d'apprendre un sort pour que dalle. Bah ouais, c'est toujours comme ça, de toute façon. Vous disiez, Amélia. Je sens bien que Banks, il a envie d'y aller, là. Il a envie de foutre de la dynamite. Et, mais oublie pas qu'il veut faire voler des chèvres. Oublie pas qu'il y a le fils, hein. Il y a le fils à Demir, non. Bah ouais, il y a le gamin qui doit être dans la tour, si on suppose. Non, mais moi, je pense qu'on a déjà bien... S'ils ont plus qu'un bateau sur trois, avec un peu de chance, ils seront obligés de venir à moins nombreux, donc... Quand tu t'approches et que tu regardes, quand vous êtes vraiment près de la tour, vous remarquez que la tour est en vraiment sale état. Il y a des pans de mur qui manquent carrément. Des trous ? Ouais, il y a des trous dans certains étages, ouais. C'est sur trois étages, deux étages. Et vous voyez, il y a des endroits où il y a des trous dans les murs, quoi, à l'extérieur. En fait, c'est une ruine réhabilitée ? Ah ouais, c'est l'effet que ça te fait, ouais. Et c'est vieux... Ah ouais, c'est pas facile de nuit, mais... C'est vieux très ancien ou c'est vieux... C'est vieux très ancien. Ah, c'est pas antique. Non, mais après ça va pas être, c'est pas facile de dater. Oui. Ok. C'est pas tout jeune. C'est pas une nouvelle construction. Moi, je suis d'avis que du coup qu'on retourne chez Demir et qu'on se prépare à aller au rendez-vous. Normalement, on les a affaiblis un petit peu. On sait à peu près combien ils sont. On est d'accord que ce que vous avez mis plus loin, c'est des petites barques. Hein. Oui, c'est ça qui m'inquiète, c'est parce que. Ah, tu penses qu'il y a une plus grosse barque ? Oui. Il y a un bateau, quoi. Mais ils sont 20. Hein. Ils sont une vingtaine. Si, c'est vrai. Non, mais parce que là, je vois pas ce qu'on peut faire en restant discret. Ah, c'est surtout ça. Mais de toute façon, vous êtes arrivé à un point où la discrétion, oui, enfin, oui, c'est gentil, mais... Non, mais je suis d'accord avec vous, hein, tu peux... En restant discret, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Oui. Ah, sinon, on peut mettre le feu aux chèvres, mais bon, ça va pas être très discret, quoi. Et pas très utile, non plus. Et ça va faire quoi? Ça va les affaiblir. Je sais pas. Merde, ils auront pas de lait pour demain matin. Oh, ils les bons petits. Petit déj, voilà, c'est ça. Ah, vous avez pas eu de petit déj ce matin. Et moins deux à vos jeux. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, comment est-ce qu'ils font pour venir sur cette île? Quel moyen? Ils ont un bateau. Ils ont un bateau quelque part. Ils ont. Qui viendrait peut-être de Constantinople. Peut-être un bateau d'ailleurs. Qui est là et qui fait que des allers-retours. Ou... Bah après, on a mis que 2 heures, hein, donc s'ils ont un autre bateau, ils peuvent faire des allers-retours aussi. On proposerait bien d'en assommer. Que j'aille jusqu'à la tour. Jeter un œil par un des trous pour savoir si j'arrive à voir l'enfant, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a des gardes partout où il y a une. Enfin, dans ma tête, ils étaient plutôt vers l'entrée principale, là où tu as dessiné le chemin. Mais derrière, il y a des gardes aussi. Après, c'est pas très étendu. Oui, oui ils sont 5 à, on va dire, à surveiller tout autour dans l'enceinte. Donc, il faut forcément que j'en assomme un. Vous êtes où là? Mettre un écart. Accroupi dans les dunes à regarder ce que fabrique Georges. D'accord. On voit sa tête qui remonte, qui redescend, qui redescend. Mais qu'est-ce qu'il fout? D'accord. J'essaie de voir s'il y a un garde qui passe tout près de moi et dans une zone, on va dire, où ça me permettrait qu'une fois qu'il soit neutralisé, d'aller jusqu'à la tour. Est-ce qu'ils ont des fesses? Oui, tu peux. Alors, oui. C'est une très bonne question, je n'ai pas forcément décrit, mais oui. D'accord. Ils ont des fesses, par contre, qu'est-ce qu'ils ont comme fesses? Je sais pas si c'est des fesses du commerce. Ouais. Ça va pas être facile à. Fais main. Ben, c'est ça. Quand tu te relèves pour regarder un dernier coup pour te dire, tiens, faut que je regarde si je peux en assommer un ou quoi. Tu vois une ombre qui passe sur un pan de la tour. Si c'est une ombre, ça veut dire que ça vient d'en haut? Non, c'est projeté. C'est une créature que j'ai déjà vue en plus. Oui, ça t'appelle quelque chose. Elle est projetée? Elle passe. Enfin, elle est projetée, enfin, quand je dis projetée, si tu veux, elle s'imprime sur le mur, en gros. Mince. Voilà, je me fais tout petit. Et tu la vois plus.
Si vous étiez en train de regarder la tour, vous l'avez vu, alors je sais pas. C'est quand même assez grand. Donc. Apparemment, ça, les autres, ça a pas l'air de les déranger. Ouais, mais ils ont du feu, eux. Nous, on est dans le noir. La dernière fois qu'on a vu cette créature-là, dans le train, c'était en face de la cabine de... Ouais. De Man 4. Ouais. Comme le... Il... Professeur et Kassim, je crois. C'est moi Kassim qui l'avions vu. Ouais, il me semble. Ah, non, non, vous qu'il a... C'est vous qui l'avez vu ? Ah oui. Oui. Oh, attends, je croyais que c'était moi. Et c'était en face de quelle cabine ? Cabine du professeur Mayfair ? Des meilleurs. Des meilleurs ? Sortez des meilleurs, de la cabine des meilleurs. Alors ? Serait-ce notre ami Minecraft qui est de retour peut-être sa protégée ? C'est une créature éthérée qui surveille l'avancée de leur projet. Un gardien ? L'étonnant, c'est que si c'était un gardien, il s'est pas manifesté dans le train. Non, non. Parce qu'il peut pas, tout simplement. J'aimerais bien ça comme une forme de transport, moi, plutôt. Ça pourrait être la créature qui cherche à faire revivre. Créature qui cherche à faire revivre. Oui, tu sais que le but ultime, c'est de... Ah oui. De faire venir sur Terre un dieu ancien, un dieu sombre. Oui. Peut-être ce dieu sombre-là. Une de ces manifestations ouais. Semi-matérielles. Voilà, enfin, c'est une supposition. Trop irréaliste pour qu'on puisse avoir des données fiables là-dessus. Bon, on va plus loin dans les recherches ou pas ? La surveillance de la tour. Ça a l'air de compliquer les choses. Ouais. Ouais. Bon, bah, du coup, je sais plus trop quoi faire. Abolas, il y avait toujours oui. Possibilité que je neutralise un des surveillants pour aller jusqu'à la tour. Je n'avais pas répondu à cette question. Oui, il y a possibilité. Mais après, là, tu t'engages dans un truc. Est-ce qu'il y en a... Est-ce qu'on pourrait en... Tadam. Ouais, en isoler un et... N'hésitez pas à zoomer sur la carte. Je te mets ton petit token, là, si tu veux. Et puis, Bah, c'est, c'est un peu risqué, mais ouais. L'intérêt, c'est si t'en prends un, tu lui piques son fez, tu t'habilles avec... voilà. Et tu fais semblant de patrouiller à ton tour. Faut que t'en choisisses un qui a la même corpulence que toi, du coup. Ils patrouillent pas, les mecs, hein. Ils sont posés. Hein. Ouais, ils sont juste posés. Et ben. Ouais, après, ce qu'il y a, c'est que c'est pas très grand. Donc, je pense qu'ils ont tous un visuel, les uns les autres. Bah non, je pense que c'est trop risqué. Moi, je pense que c'est risqué parce qu'ils sont vachement proches les uns des autres. Dès que si t'essayes d'en assommer un, quand bien même tu y arrives, les autres, ils sont quand même à quelques mètres. Donc, à mon avis, on soit. Les uns des autres. Il fait nuit, ouais. Ils ne se voient pas forcément les uns les autres. Ouais, c'est vrai, enfin, il fait nuit. En tout cas, c'est risqué. Mais c'est risqué quand même, ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ouais. Ou on lâche les chèvres, on attend qu'ils courent après. Sur les 5, ils sont plus que 5, il y en a bien au moins 3 qui vont bouger. Il en restera plus que 2. Allez, je te les ai disposés. Tu vois tous les petits fesses rouges, ben c'est... Il manque un. Ouais, bah attends, je l'amène. Il est à côté des chèvres. Ouais, tiens, si tu veux, allez, je suis gentil. Voilà. Il y en a deux à l'entrée. En gros, c'est ça, il y en a deux à l'entrée, deux extrémités. Voilà. Ah ouais, toi, je vais prendre celui-ci, là. Hop. Je serais plutôt d'avis d'attendre le lendemain. Je passe mon écharpe autour du cou, je le fais passer par-dessus le mur d'enceinte. Vous vous en occupez pendant que je vais juste à la tour. Je jette un œil de ce qu'il y a à l'intérieur de la tour, je repère le gamin. Tu le récupères,
Le livre est fini. Ouais, mais ça dépend, c'est quoi comme gabarit, enfin, si tu regardes celui qui est à côté de toi, s'il fait 3 fois ta taille, enfin, avec ton écharpe... Bon, je enfin, change, je alors. Sais pas, hein, moins que genre j'ai l'habitude de ce genre de pratique, t'as une corde à violon cachée dans la manche ou je ne sais pas. J'en prends un plus petit alors. Si tu penses que, enfin, si tu le sens, enfin, je sais pas si c'est dans tes habitudes, mais pourquoi pas. Ah ben, mais non. Si compétence, je ne sais pas quoi. Et puis bon, un coup de planche sur la tête, et puis voilà, c'est réglé. Il est dans les bras de Morphée pendant un petit moment. Le temps suffisant que je fasse mon aller-retour jusqu'à la tombe. Mais si vous pensez que c'est trop imprudent, je vais pas mettre en risque, en péril notre mission tout entière pour ça. Je serais ravi de rentrer. Et Amélia. J'hésite beaucoup là. Oh, c'est des persos jetables. Hein. Tu peux me faire un jet de toc. Taïden. Ouais. Ah. Fail. Raté. D'accord. Bon bah ils sont habillés. Enfin voilà, non bah tu remarques rien. Ils ont des fesses. Est-ce qu'ils sont attachés les fesses sur leur crâne? Non. Ah. En tout cas pas ceux que t'as vu. Alors je veux pas dire que t'as vu les 5, mais on va dire si t'as fait le tour, t'en as vu 3 et c'est pareil quoi, faudrait que tu t'approches plus, mais ceux que t'as vu ça semblait pas être des fesses attachées. Bon, vous faites quoi? Bon, on retourne à l'embarcation. Ok, Amélia. Ouais, je suis. Ok. Bon, c'est ils étaient vraiment plus nombreux que nous, quand même, c'est pour ça. Ils auraient été que 5 en tout, mais là 5, si t'en as 10 qui redescendent après, plus une créature non identifiée, ça fait quand même beaucoup. Plus une princesse. Oui, plus effectivement celle. Et puis on n'a pas Cassim en plus, on n'a pas notre atout. Ça. Ok, donc vous rentrez tranquillement à la rame, et puis après en bateau. Ouais, vous rentrez tranquillement. Attendez, on n'a pas eu Mencaf, hein. En tout cas, vous l'avez pas vu.